Bonjour à tous. Si je vous parle de l'application des mathématiques en finance, vous allez dire c'est normal, on a déjà vu plusieurs choses dans le sens. Et donc si je vous parle de l'application des mathématiques dans la tontine qu'on a couramment dans nos, comment dire, dans nos familles, dans nos pays, dans notre culture africaine de façon générale. Aujourd'hui, on va parler de la modélisation mathématique d'une tontine à enchères. Il y a plusieurs formes de tontine et je rappelle que ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un extrait du travail de Liona Twinjo. Donc, pour commencer, je vous parle d'abord des étapes qu'on va présenter dans cette vidéo. Donc, on commencera par la définition d'une tontine à enchères. Et bien évidemment, pour arriver à tontine à enchères, il faut bien sûr parler de tontine de façon générale. En deuxième position, on va prendre un exemple, c'est-à-dire c'est quoi la tontine? Pendant une séance, c'est quoi d'ailleurs une séance? Pendant une séance de tontine, qu'est-ce qui se passe? Par la suite, on va parler des hypothèses de la modélisation qu'on va présenter ici parce qu'on parlera de la modélisation mathématiques d'une tontine. Et donc, on va aussi continuer, on va donner les variables d'un modèle. Vous savez, faire la modélisation, comme on a dit, prendre le problème, c'est-à-dire quand la tontine évolue, si on peut expliquer ça de façon mathématique, comment est-ce qu'on présente cela? Dans la suite, on va parler de modèles pour plusieurs séances, c'est-à-dire l'évolution d'une tontine au cours du temps. Je commence par la définition, pour parler de la tontine de façon générale. Ce sont des associations regroupant des membres d'un clan, d'une famille, des voisins, des particuliers. Ça peut être vraiment des sœurs qui décident de se mettre en commun des biens ou des services au bénéfice de tout un chacun. Et c'est là à tour de rôle. Si je vous prends par exemple mon cas particulier, quand j'étais toute petite, je faisais un peu une sorte de tontine avec mes copines où une semaine, on devait venir cultiver, ou un jour, on devait venir cultiver dans notre plantation, et un autre jour, dans d'autres plantations. Mais vous savez, à un moment donné, la tontine qui parle uniquement de l'argent, c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Maintenant, il existe plusieurs formes de tontine. Donc, il y a la tontine professionnelle ou socio-professionnelle. C'est par exemple une tontine qui concerne les cadres des entreprises, des fonctionnaires, des agriculteurs, des artisans, des commerçants, par exemple, ou les entreprises, hein. Et en deuxième position, on a les tontines géographiques. Par exemple, la tontine des quartiers, du village, des Africains en France. Alors, quand on dit tontine des Africains en France, c'est vague. Vous connaissez mon village qui s'appelle Babété. Donc, on peut dire, par exemple, la tontine des Babété en France, c'est-à-dire les Babété qui se sont retrouvés en France, qui sont nés, qui sont arrivés en France, ou les enfants des Babété qui sont nés en France, qui décident de faire la tontine ensemble, ou cette union de crédit. Maintenant, il y a trois principaux types de tontines. On va parler de la tontine mutuelle, tontine commerciale et les tontines financières ou à enchères. Alors, bien évidemment, tontine mutuelle ou commerciale, c'est un peu différent. Mais tontine à enchères ou tontine financière, c'est vraiment quelque chose où il y a une notion de bourse, qu'on peut dire carrément bourse, qui rentre en jeu. Et c'est bien de ça dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Si je vous explique déjà la tontine à enchères, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pendant une séance, quand on dit tontine, comme je vous ai dit, c'est un regroupement. Donc, si les gens décident de se regrouper, ils peuvent être physiques ou virtuels, ils peuvent se regrouper soit en ligne, soit en présentiel. Le dépôt est effectué, donc les adhérents vont déposer de l'argent. Donc, sur certaines modalités ou des statuts de fonctionnement de cette tontine-là, étant donné que c'est un peu comme une association, donc on définit les statuts à la base. Donc on va effectuer des dépôts d'argent à chaque moment sur les modalités statutaires qu'on a définies. Par la suite, des participants ou le participant le plus offrant paie avec des intérêts pour emprunter de l'argent. C'est vraiment ça le but de tontine en chat. Donc on va avoir les plus offrants, mais vous savez, il y a des hypothèses qu'il faut se fixer parce que comme je vous ai dit, chaque tontine ou chaque association a ses statuts. Par la suite, on a le taux qui diminue, c'est-à-dire que la personne qui prête, par exemple, un montant d'argent au début du fonctionnement de la tontine, une autre personne, après 5 séances, par exemple, de la tontine, va prêter le même montant, mais avec un taux d'intérêt, par exemple, qui est sur ce montant d'argent-là, qui est plus court parce que plus la tontine avance, un jour, ça va s'arrêter parce que la tontine, c'est une durée limitée. Et donc, la durée restant, par exemple, est plus courte que la personne qui avait prêté de l'argent au départ.
Le produit des enchères est ensuite reparti. Vous savez, si quelqu'un paye les intérêts de la tontine dans la tontine, c'est bien l'argent qui concerne la tontine. Donc, cet argent qui est payé, à la fin, on va se départager entre les membres de la tontine. C'est pour ça qu'on parle d'une tontine financière. Parce que c'est un peu comme si on voulait mettre de l'argent, mais les gens prêtent ce montant d'argent. C'est une forme de banque de crédit entre les amis, entre les cadres ou entre les membres, entre les personnes d'un village et tout. Donc, c'est un peu cette forme-là. Donc, maintenant, en dernière position, l'intérêt est négatif pour ceux qui ont besoin d'emprunter rapidement. Parce que si vous voulez vraiment payer pour avoir un montant d'argent, payer pour avoir un prêt, vous pouvez à la limite payer assez cher en montant d'argent que vous allez prêter à la tontine. Donc au final, vous allez finir par avoir des intérêts négatifs, quelque chose dans le sens. Pour continuer, on va expliquer le fonctionnement étant donné, comme j'ai dit, on parle de tontine à enchères ici. Donc on va parler du fonctionnement de cette tontine-là. Durant chaque séance de la tontine, c'est-à-dire les statuts sont fixés, si vous avez décidé de siéger par exemple après chaque un mois ou le dernier dimanche de chaque mois, ça dépend vraiment de la tontine. Donc si on choisit de siéger par exemple chaque premier dimanche du mois, ça c'est un choix. Durant chaque premier dimanche du mois, c'est qui est appelé une séance, deux marchés des capitaux dépendant l'un de l'autre constitue une tontine à enchères. Alors, j'ai pris l'exemple du Cameroun parce que vous savez, la tontine s'est répandue en Afrique, mais chaque pays a un peu son fonctionnement. Et dont l'exemple que Lyona a présenté, c'est le cas du Cameroun. Eh bien, ça peut se répliquer dans d'autres pays de façon similaire avec des petits changements. Donc, il y a le marché principal et après, il y a le marché secondaire. Le marché principal, comment ça se passe? Donc, le marché principal, durant une séance, les capitaux disponibles sur le marché, c'est la contribution des participants. Vous savez, la tontine, déjà, c'est le fait que les gens ramènent, j'ai bien dit, on parle de l'argent ici, c'est le fait que les gens ramènent un montant d'argent sur la table. Donc, il y a cette contribution des participants, ça, c'est la première des choses. Et après, il y a le crédit sur ce marché-là, appelé crédit principal. Alors, le choix de la tontine à enchères qu'on présente ici, c'est une tontine, en fait, où on va attribuer à chaque moment un capital qui est appelé le crédit principal à une personne. Donc, ça peut être attribué à une personne ou à deux personnes, dépendant, mais ces deux personnes-là sont choisies et ne doivent plus recevoir ce capital principal-là dans des séances à venir. Donc, c'est vraiment pendant une seule séance que ces personnes peuvent recevoir durant tout le cycle de la tontine. Chaque participant n'obtient qu'une et qu'une seule fois ce crédit principal et c'est ce que j'étais en train de dire durant tout le cycle de la tontine. Les membres utilisent généralement les crédits principaux pour financer leurs projets. Vous savez, si vous avez besoin, par exemple, de 100 millions de francs CFA pour votre projet, et pourtant, vous ne pouvez pas avoir ces 100 millions de francs CFA, étant donné que la banque va vraiment vous exiger des choses énormes et quasi parfois impossibles pour faire le prêt de 100 000 francs, 100 millions de francs CFA. Et si vous avez 10 millions de francs CFA, dans une tontine où il y a 10 personnes, vous êtes d'accord avec moi que tout de suite, vous avez 100 millions de francs CFA et généralement, l'avantage justement avec la tontine, c'est que on peut avoir des prêts vraiment conséquents et bien évidemment, il faut un garant et tout le reste, mais c'est vraiment souple, nettement mille fois plus souple que la banque. Donc, on continue. Le début effectif du marché principal commence par la collecte justement de l'argent de chaque personne. Ça, c'est tout ce qui se passe sur le marché principal. Et ensuite, le bureau va présenter la liste des participants qui ont le droit de bénéficier du crédit principal, comme je vous ai dit durant ce marché-là. Exclusion faite de tous les gens qui ont déjà bénéficié, bien évidemment. Et par la suite, partant de la mise à prix fixée, statuée, la vente aux enchères du lot principal est ouverte. Il y a des mises à prix fixées. Le montant de lot est égal à la somme des mises de tous les participants. Donc, bien évidemment, si je vous rappelle et expliquer cette partie, ça ne sera pas très clair parce que plus tôt, on va parler de ça. Mais en fait, il y a un peu une sorte de statut avec le montant qu'il faut verser. Donc, même s'il y a un montant que les participants vont verser, on va quand même retirer une partie de ce montant-là avant de verser le crédit principal aux participants. Et le reste du montant va être mis aux enchères. Et c'est justement à ce moment-là qu'on est
capable de passer au second marché. Le second marché, en fait, ou le marché secondaire, les capitaux disponibles sont divisés en plusieurs lots, suivant les mêmes processus d'enchères. Mais vous savez, lorsqu'on parle des enchères, ça veut dire que je peux diviser 900 euros, par exemple, en 500 euros et en 400 euros, mais on arrive quand même à avoir une personne qui va acheter une partie bien plus moins chère que l'autre. Et c'est ça l'avantage, c'est les enchères. Vous savez, vous connaissez comment les enchères, ça fonctionne. Je peux acheter un truc, le même truc, bien plus moins cher qu'une personne qui a acheté à un autre prix. Le taux de la mise à prix est un pourcentage fixe statutaire et valable pour tous les petits lots. Donc, il y a quand même les règles de la tontine, le statut de la tontine qu'on dit, ok, quand le lot, il y a le, comment dire, la mise à prix, il y a un pourcentage, c'est un peu comme s'il y a un intérêt, si vous ne le voyez pas, c'est un peu comme s'il y a un intérêt du prêt que vous allez faire, on met quand même ces prix-là, et c'est les membres de la réunion qui vont commencer à monter les enchères. Les intérêts débiteurs sur le marché sont post-compte, c'est-à-dire qu'ils sont fixes au moment de l'emprunt, mais sont payés au moment du remboursement. Parce que vous savez que si vous venez quand même prêter de l'argent à la Réunion, vous n'avez pas de l'argent pour payer tout de suite l'enchère. C'est pour ça que vous payez post-compte le montant que vous avez prêté la séance d'avant. Contrairement au crédit principal qui exclut ses anciens bénéficiaires, à chaque séance, tous les participants peuvent bénéficier du crédit secondaire. On peut dire le plus offrant finira par avoir toujours un crédit. Le lot ou les lots non empruntés sont remis à la au trésorier qui est tenu de les ramener à la prochaine séance. À la fin du cycle, c'est-à-dire que lorsqu'on a terminé tout ce qui se passe, le solde des capitaux disponibles sur le marché secondaire n'est plus en prêt. Si on a la dernière séance de la réunion, on ne peut plus repartir des lots pour partager aux personnes qui veulent emprunter ce lot-là. On va juste diviser et partager à tous les participants. Le but de ce marché est donc d'assurer la liquidité constante de la tontine, évidemment, parce que c'est ce marché, justement, comme je vous ai dit au départ, c'est une tontine financière. Ce n'est que ce marché secondaire qui permet d'avoir de l'argent dans la tontine. Sinon, ça va être une tontine rotative où on te donne de l'argent cette fois. Et c'est ça la différence avec les tontines mutuelles. Donc là, par exemple, ce marché secondaire va permettre justement de multiplier l'argent que vous laissez ou une partie de l'argent que vous laissez lorsque vous bénéficiez de votre crédit principal. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je prends un exemple, je vous montre un peu comment ça se passe. Donc, prénoms 5 participants. Oh, bien évidemment, j'ai choisi en disant que la mise de chaque participant, c'est 1000 euros. Je pouvais bien mettre le montant en franc CFA, mais ça commence à être vraiment hyper long lorsqu'on va mettre en franc CFA. Donc, mettre par exemple 1 million de francs CFA ou 500 000, vous voyez, ça occupe quand même plus d'espace. Donc, j'ai choisi de dire qu'on a une tontine avec 5 participants et la mise de chaque participant durant chaque séance, c'est 1000 euros. Donc, c'est 1000 euros par personne. Donc, vous êtes d'accord avec moi que durant la première séance, là je ne présente que ce qui se passe durant la première séance. Après on va expliquer comment la suite des autres séances se passe. Donc, durant la première séance, étant donné que chaque participant a sa mise de 1000 euros, si on totalise tout ce qu'on va avoir, on a tout simplement 5000 euros. Et c'est ça, ce montant de 5000 euros qu'on met sur le marché principal. Le marché principal, on met justement ces 5000 euros-là. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On va donner, par exemple, ça c'est sur le statut de la réunion, si on dit qu'on versera tel pourcentage à la personne qui bénéficie du crédit principal. Et donc, on lui verse 4000 euros et 1000 euros va rester. Donc ça, c'est les règles avec justement ces intérêts. On ne va pas dire les intérêts, mais le montant décidé avec le statut, quel montant restera dans la caisse et quel montant le participant va bénéficier. Donc voilà, la personne qui bénéficie du crédit principal est de 4000 euros. Par la suite, on va retirer les frais du fonctionnement parce que vous savez, la tontine, c'est un peu comme, c'est un peu comme une étude et tout, c'est quelque chose, et il faut bien conserver de l'argent. Donc, il y a les frais du fonctionnement de la tontine. Ça peut être là où vous restez, là où vous... Ça peut être les abonnements que vous payez, par exemple, en ligne pour faire la tontine. C'est un peu tout ça. Et donc, il y a les frais du fonctionnement qu'on va retirer. Et alors, en retirant les frais du fonctionnement, 50 euros, il restera justement 950 euros. Et donc, c'est ces 950 euros, après avoir retiré les 4000 et les 50 euros, les 950 euros qu'on va mettre sur le marché secondaire. Et c'est sur ce marché secondaire, on choisit par exemple de diviser
le montant divisé un montant, par exemple, le montant de... On retire, par exemple, un lot de 400 euros et un lot de 300 euros sur les 950 euros. Et le premier lot, bon, si on fait la somme des deux lots, ça fait 700 euros. Et donc, on va vendre le premier lot et le deuxième lot. Comme je vous ai dit, la vente, c'est aux enchères. Il y a bien évidemment, on peut dire que la mise à prix, c'est peut-être 3% du montant ou 5%, voire même 10% du montant. Et c'est aux participants ou c'est aux membres de la tontine de dire, ok, je vais acheter par exemple plutôt à 5% et on va donner au plus offrant. La tontine a pour but ici à enchérir les choses. Et donc, forcément, on veut avoir plus d'argent. On va donner au plus offrant. Et donc, vous voyez, si on prend 700 euros, il restera donc 250 euros sur le montant qu'il y avait sur le marché secondaire. On va remettre ce montant à la trésorerie. Et donc, trésorerie, donc au trésorier, pardon. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Après cette première séance, on sera justement capable de ramener, ou le trésorier va ramener tout ce qu'il avait à la prochaine séance. Mais le lot 1 et le lot 2, ils devaient avoir un délai justement de remboursement. Ils vont justement ramener le remboursement la prochaine fois avec les intérêts ou avec le montant qu'ils ont acheté le lot avec, c'est-à-dire avec les intérêts qui se sont cumulés sur le prêt. Donc, voilà un exemple dans un cas où on a une première séance. Maintenant, si on passe de façon générale, on va parler justement de la modélisation. Mais comment cette modélisation va être un avantage de quoi? La modélisation ici va permettre de voir l'évolution de la tontine au cours du temps. Dans un but précis, c'est de se dire que si vous intégrez une tontine, si on a par exemple un taux d'intérêt fixe pour chaque lot qu'on vend, vous pouvez savoir combien vous allez bénéficier avec cette tontine-là, sur le quart de tontine en enchères. Mais si le taux d'intérêt, pardon, si les enchères sont vraiment très variables, vous ne pouvez pas savoir, mais vous pouvez qu'avoir... vous pouvez quand même avoir une idée fixe parce que vous savez, comme je vous ai dit, selon les statuts, il y a quand même la mise à prix qui est fixe. Donc, si on se concentre justement sur l'intérêt que la mise à prix de chaque enchère qu'on va faire est donnée, alors vous êtes sûr de savoir combien vous pouvez avoir justement à la fin de la tontine en tant que bénéficiaire. Pas du tout, pas le crédit principal, mais ce que vous allez bénéficier. Donc, maintenant... L'autre analyse qu'on veut voir avec la modélisation, c'est que désormais, avec la loi des finances 2022 au Cameroun, il y a la taxe qui va entrer sur les tontines. Et alors, ce qu'on veut voir justement, c'est qu'avec ce modèle qu'on va présenter, le modèle des Lionard que je présente, Tunjo que je présente là, on va justement revoir ce qui va se passer avec la taxe lorsqu'on ajoute sur la tontine. Est-ce que ça va être encore rentable ou pas? Voilà, donc, maintenant, pour faire la modélisation, vous savez, toujours, il faut les hypothèses. On suppose que le crédit principal n'est accordé qu'une seule fois à chaque participant. C'est un peu déjà ce que je disais sur le marché principal. Mais vous savez, chaque réunion fixe ses hypothèses. Et je fixe quand même les hypothèses de ses statuts plutôt. Et donc, je fixe les hypothèses de la modélisation. La répartition des lots du marché secondaire, c'est fait selon les statuts de la tontine. Le nombre de participants est fixe du début jusqu'à la fin de la tontine ou jusqu'à la fin du roulement. Juste pour rappeler que si on débute avec 5 personnes, on ira avec les 5 jusqu'à la fin. Quelqu'un ne doit pas s'ajouter au courant de la réunion. Du coup, on est fixe là-dessus. Les intérêts sur chaque marché principal sont variables et dépendent des séances précédentes. Comme je vous disais à la barre, lorsqu'on fait les prêts, lorsqu'on est en plein début, on a toute la chance de bénéficier justement des avantages de ce prêt-là. Pourtant, lorsqu'on fait le prêt à la fin, on n'a pas suffisamment de temps. Donc, les intérêts du marché principal dépendent des séances précédentes. Voilà un peu comment la tontine est représentée. Vous voyez, on a ce cercle-là, on vient mettre de l'argent. C'est une sorte d'union de crédit, c'est une sorte de petite micro-finance et tout. Donc, un participant qui a sa séance, c'est-à-dire qu'il est bénéficié du crédit principal, à chaque participant, on associe justement sa séance. Et donc, le nombre de participants, c'est le nombre des séances en soi. Donc, pour la modélisation, on va avoir plusieurs variables. Les variables... C'est ici ce que le nombre, on fixe N, le nombre de participants. Le nombre de participants, c'est-à-dire que s'il y a 5 personnes, ça fait 5 participants, N égale à 5. S'il y a 10, N égale à 10. P
Petit N désigne l'un des participants selon son rang. Comme vous voyez un peu le cercle que je vous présente là, si on dit qu'on va suivre cette ligne, alors si c'est un ici, alors voilà deux. Ou par exemple, si c'est un ici, voilà deux. Et ça, ça continue jusqu'au dernier. Donc N justement désigne cette position-là. Et N va de 1 jusqu'au nombre de... Petit N va de 1 jusqu'au nombre de participants, grand N. Si on note par T le nombre total de séances qu'a le cycle, c'est-à-dire que s'il y a 5 personnes, ça va faire par exemple 5 séances, c'est un peu le nombre total là. Et si on note par petit t, pas s'il y a n personnes, non, parce qu'à un moment donné, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir des bénéficiaires. Donc t, c'est le nombre de séances qu'a lieu le cycle de la tontine. On peut généralement avoir t qui est inférieur ou égal au nombre de participants. Petit t désigne l'une des séances selon son rang et l'apparition. Donc, petit t va de 1 jusqu'à grand T. On va donner une F qui est une application qui relie chaque participant à sa séance. Et donc, ça veut dire que si N désigne le rang du participant, qu'on va faire F de N, ça va être égal à T, T qui est la séance de ce participant-là. On continue avec les variables du modèle. Il y a un B qui représente une application qui indique le gain. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut avoir une possibilité d'avoir un gain de séance. Ce gain de séance, ça veut dire que le montant d'argent et avec tous les bénéfices et les enchères qu'on a accumulés, on est capable de verser le crédit principal à deux personnes durant la réunion. Et à ce moment-là, B de T égale à 1. Et s'il y a deux personnes qui bénéficient du crédit principal, généralement c'est deux personnes, on ne peut pas vraiment voir plus. Et si B de T est égal à 0, quand il y a toujours une personne qui bénéficie de ce crédit principal-là. M, la mise tontinale. La mise, en fait, elle peut être une avance ou un remboursement. Je prends un exemple. Le cas où on avait 5 personnes, si on veut mettre les 5 000 euros, la personne qui bénéficie de l'argent à cette séance-là, c'est pas vraiment une sorte de remboursement ou d'avance, mais les quatre autres personnes qui ne bénéficient pas du crédit principal, c'est une sorte d'avance pour eux. Et à la deuxième séance, lorsque la personne justement qui avait reçu à la première séance va donner de l'argent, ça va être une sorte de remboursement pour cette personne-là. On va noter par E la prime d'enchère payée par le participant pour bénéficier du crédit principal. Alors, on ne va pas vraiment voir comme une prime d'enchère, mais se dire que, vous voyez tout à l'heure, quand on avait 5 000, on n'a donné que 4 000 à la personne. Et donc, les 1 000, il y a justement les frais qui sont sortis et les 950 qu'on a mis sur le marché. Et en mettant ça sur le marché, c'est une sorte de retrait de prime d'enchère, mais qui est un peu lié. Donc maintenant, il y a les frais de fonctionnement F qu'on avait donné tout à l'heure. Les frais de fonctionnement, par exemple, c'était 50 euros. Et on va noter KT, la somme des capitaux disponibles à l'ouverture du marché secondaire. Tout à l'heure, on est passé sur le marché secondaire avec 950 euros. Et donc, si le nombre de séances, pardon, si le nombre de séances petit t, le nombre à chaque séance associée petit t est inférieur au nombre total des séances, alors on va diviser les capitaux à chaque moment par petit lot, le fait qu'on a divisé par 400 et pas 350, pas 300 tout à l'heure. Mais si on a à la dernière séance, alors on repartit justement comme prime de fin de cycle, on va repartir justement ces capitaux-là et la réunion où le cycle est terminé. On continue avec les variables. On note par RDT la somme des capitaux restants. Tout à l'heure, il restait 250 euros qu'on a donné au trésorier. Et donc, si on a, à chaque moment, on a un montant, on va donner au trésorier qui va ramener à la séance suivante. On va dire séance T plus 1. On note ANDT le crédit secondaire reçu par chaque participant. On a donné un lot de 400 euros tout à l'heure et un lot de 300 euros. C'est ça, ces crédits secondaires-là. Et maintenant, le KT, pour mettre l'argent sur le marché secondaire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le montant que le trésorier ramène, donc il y a le reste. Et maintenant, les crédits qu'on va avoir, donc c'est-à-dire les capitaux disponibles au début de marché secondaire, c'est la séance dans la répartition des crédits secondaires distribués, et le reste que le trésorier va conserver. Donc voilà un peu ce qu'on va avoir. Maintenant, si on passe E de T, la prime d'enchère post-compté. Alors, ici, je rappelle,
On a dit tout à l'heure que lorsqu'on divise les lots en 400 ou en 300 euros, alors chaque participant va devoir payer sa prime. Et donc, on note par E la prime d'enchère qu'il va ramener post-compté accepté par le participant N à la séance T pour bénéficier du lot ANT. Parce qu'à chaque moment qu'il bénéficie de ce crédit, il a cette prime d'enchère qu'il a payée pour bénéficier de ce crédit. Mais comme il ne peut pas directement payer sa prime d'enchère durant la séance T où il a bénéficié, il va ramener justement à la séance d'après. Il y a D. Alors, ce D est vraiment important parce que c'est le différé de remboursement. C'est-à-dire que s'il a bénéficié de crédit ANT à la séance T avec la prime d'enchère ENT, il va devoir rembourser avec un différé. Alors, s'il rembourse juste à la séance d'après, ça fait T plus 1. Mais à la prochaine séance, pardon, ça fait T plus 1. Mais s'il rembourse avec un différé D, alors il va rembourser à la séance T plus 2, ce qu'il a, le crédit qu'il a emprunté, plus l'enchère. Donc, voilà le montant qu'il va rembourser. On va noter P, la prime de fin de cycle attribuée à chaque participant. Quand il y a la prime, quand il y a le montant sur le marché secondaire à la dernière séance, on est obligé de diviser parmi les participants. Donc, voilà le modèle. Après avoir donné les variables, voilà le modèle mathématique. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez justement laisser toute la partie avec des modèles, avec les variables, et venez juste voir le modèle. Mais ça serait bien justement de comprendre les variables pour voir le modèle. Sur un, dans une tontine, le flux financier durant chaque séance. Donc, si on se dit que ça, c'est la séance T, on va quand même considérer qu'on est à une séance T supérieure ou égale à 2. Il y a les participants, il y a le marché principal, il y a les marchés secondaires, il y a la trésorerie et il y a les frais de fonctionnement. Tout commence par la mise des participants. Donc, on a N participants qui vont faire M, leur mise. Ça veut dire que le montant qu'on va avoir, ça va être le nombre de participants multiplié par la mise. Étant donné que tout à l'heure, par exemple, vous avez vu, on avait 5 participants et la mise, c'était 1000 euros. Il fallait juste faire 5 fois 1000 et ça fait 5000 euros. Et donc, c'est la mise des participants qui va se retrouver sur le marché principal. Et maintenant, une fois qu'on a ce montant sur le marché principal, on va verser ceci à la personne qui bénéficie du crédit principal de la séance. Mais avant de verser, on va devoir retirer le montant qui est noté un peu comme une enchère, mais c'est ce montant de 1000 euros que je vous disais tout à l'heure. Donc, ce montant-là qu'on va retirer qui va être dépendant des statuts de la réunion. Et après avoir retiré justement ça, et on a déjà versé la première, à la personne qui bénéficie du crédit principal, on va maintenant retirer les frais de fonctionnement. Par la suite, les personnes qui ont fait des prêts à la séance T-D, vous savez, on fait le remboursement avec une différée de T. Et donc, on va dire, les personnes qui ont fait des prêts à la séance T-D, ils vont ramener ce qu'ils ont prêté plus les intérêts justement associés à cette séance T-D là. Et donc, voilà ce qu'ils vont ramener. Et on va ramener ça, ça va se retrouver encore sur le marché principal. Par la suite, le trésorier va ramener ce qu'il y avait à la séance T-1 et encore sur le marché principal. Maintenant, par la suite, si après avoir ramené tout ça, on voit qu'on est capable encore d'avoir un montant pour que quelqu'un bénéficie du crédit principal, alors on va avoir ceci. Et donc, la personne va bénéficier justement toujours avec ces mêmes enchères fixes dans le statut qui est fixé. Et donc, BDT, c'est pour ça que je vous disais, si BDT égale à 1, ça veut dire que la personne bénéficie. Si BDT égale à 0, il n'y a rien qui sort là, il n'y a rien qui diminue sur le marché principal. Mais rappelons par exemple dans le cas de tout à l'heure qu'on avait 5000, que si une fois qu'on arrive à la séance 3 par exemple, si le trésorier ramène ce qu'on avait à la séance 2 et si les gens ramènent tous les prêts, on s'en rend compte qu'on arrive à avoir encore 5000 euros, alors on va faire justement ce deuxième crédit principal justement de la séance. Maintenant, après tout ça, tout ce qui reste qui est quart d'été, comme je vous disais, ça va passer sur le marché secondaire. Et une fois qu'on passe au marché secondaire, les gens vont faire des prêts. Et vous voyez, le prêt, c'est justement ça. Il y aura juste ce prêt-là qu'ils vont faire.
Maintenant, s'ils doivent ramener ce qu'ils ont prêté maintenant à cette séance, ils vont ramener justement avec le différé de la séance suivante. C'est-à-dire qu'ils vont ramener à la séance T plus D, par exemple, les primes d'enchères qu'ils ont eues cette séance. Mais durant cette séance T, voilà, quand on passe sur le marché secondaire, il y a ces prêts qui vont se passer, comme on a scindé en petits lots. Et le montant d'argent qu'on va remettre au trésorier qui va rentrer avec. Et voilà tout le flux financier durant une séance T de la tontine en chair. Donc voilà globalement tout ce que je voulais présenter aujourd'hui sur la modélisation, l'extrait du travail de Liona Tunjo. Donc, pour continuer, la prochaine vidéo, on va tout simplement prendre un exemple de tontine en chair. Comme je vous ai présenté juste une séance, je vais présenter plusieurs séances et dans la suite, on va progresser jusqu'à arriver justement à cet axe-là qu'on va mettre en avant sur tout le reste. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter. On se retrouve dans une prochaine séance sur les tontines.